Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Au sommaire, aujourd'hui, un entretien exceptionnel avec un invité exceptionnel. Il s'appelle Raoul Peck, cinéaste mondialement connu. Il diffuse sur Arte une série documentaire événement en 4 parties. Ça s'appelle « Exterminer toutes les brutes » sur les origines de la suprématie blanche et des siècles de violence coloniale. Merci à lui d'être là ce soir. Bienvenue à tout le monde dans notre émission quotidienne « À l'air libre ». Bonsoir Raoul Peck. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Mediapart. Vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez grandi à Kinshasa en République démocratique du Congo, vous avez vécu à Orléans, à New York, à Berlin, vous avez été ministre de la Culture dans votre pays de naissance, Haïti, à la fin des années 90. Et vous êtes bien sûr cinéaste, nominé aux Oscars, César du meilleur documentaire en 2018 pour I'm Not Your Negro, qui a largement œuvré à ce que le monde redécouvre l'œuvre de l'Américain noir James Baldwin. Et votre nouvelle série documentaire, elle s'appelle « Exterminer toutes les brutes ». C'est une odyssée en 4 parties qu'on peut voir sur leur site arte.tv jusqu'au 31 mai. Il sera diffusé ce mardi à 20h50 sur Arte, donc le 1er février. On regarde la bande-annonce. 3 mots résument toute l'histoire de l'humanité. Civilisation, colonisation, extermination. These are people. These are animals. De quelle espèce êtes-vous donc? De celle-là. C'est une histoire qu'il n'est pas facile de raconter, car elle se poursuit encore aujourd'hui. Raoul Peck retrace 600 ans de suprémacisme blanc. Un documentaire choc. Exterminer toutes ces brutes, mardi dès 20h50 dans Théma. On a pris cet extrait parce qu'on nous semble qu'il entre bien dans la discussion. Raoul Peck, c'est un immense projet au long cours, foisonnant, qui vous a pris des années de travail. Exterminer toutes les brutes, c'est à l'origine une phrase prononcée par un marchand d'ivoire, si je ne me trompe pas, dans le livre Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Le titre aussi d'un livre de l'auteur suédois Sven Linkvist, paru d'ailleurs en 2014 en France aux éditions Les Arènes. C'est un des co-auteurs de ce documentaire. Ces quelques mots, exterminer toutes les brutes, c'est quoi? Ils contiennent en eux toute la violence de l'entreprise coloniale? Je pense que ça résume assez parfaitement l'âme de cette conquête centrique vers les nouveaux continents. Et malheureusement, ça s'est révélé tout au long de ces 700-800 ans de conquête. Et c'est pas pour rien que Conrad l'a utilisé, et ensuite Sven l'a repris. Et moi, basé sur le livre de Sven, c'était clair que c'est presque une devise. S'applique parfaitement bien à ce que nous vivons, d'ailleurs aujourd'hui encore. Devise du crime en l'occurrence. Alors ce documentaire, il est foisonnant, réalisé à partir d'archives, d'animations. Il y a aussi des scènes de fiction qui reconstituent par exemple des épisodes de batailles ou de massacres coloniaux, plus ou moins connus d'ailleurs. Vous vous y mettez aussi en scène, vous parlez de votre histoire, vous êtes aussi le narrateur. On peut dire que vous expérimentez dans ce documentaire beaucoup, vous explosez les canons du documentaire classique, ça ressemble pas du tout à un documentaire classique. Vous avez même dit dans un entretien dans la presse américaine que vous vouliez faire un film impossible, c'est-à-dire? C'est un peu ça, puisque la tâche est immense, puisque comment déconstruire tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est-à-dire toutes les images, tous les films, tout Hollywood, dans lequel je ne me sentais pas représenté. Donc pour le faire, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire de dire je vais utiliser tout ce que je trouve et qui puisse traduire ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai appris. Et en même temps, je fais un film, je ne fais pas une thèse de doctorat. Donc mon but, c'est d'amener ce sujet-là, dans toute sa complexité, au plus grand nombre. Puisque je ne fais pas un cinéma pour un petit nombre. Moi, je vais vers ceux qu'il faut convaincre, ceux à qui il faut offrir une autre manière de voir le monde. Donc c'est vrai que si je devais m'arrêter aux seules photos coloniales qui existent, oui, aux archives qui existent, je ne suis nulle part là-dedans, sauf en tant que victime. Donc il faut déconstruire, il faut fabriquer, refabriquer, inventer. Et c'est ce qu'on a fait. Alors je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe, heureusement, qui travaille avec moi. Oui, parce que c'est un voyage de l'Europe à l'Afrique en passant par les États-Unis, dans l'espace, dans le temps. Il y a des épisodes historiques comme l'arrivée de Christophe Colomb, les massacres coloniaux en Afrique, aux États-Unis, ça va aussi jusqu'à Donald Trump. Et donc vous le dites, il y a des épisodes où vous utilisez la fiction. donc pour mettre en scène comme ça, des moments plus ou moins connus de l'histoire coloniale, et notamment des scènes de massacres ou de tueries ou de violences. Certains critiques n'ont pas forcément aimé ce mélange des genres. Pourquoi cette nécessité de reconstituer, par exemple, des scènes violentes, même si vous la violence n'est pas... Vous l'arrêtez à un moment. Pourquoi c'est nécessaire? Ça les rend plus réels? C'est quoi? C'est inventer ce qui n'existe pas? Tout d'abord, il faut savoir que le film s'est construit de manière organique, couche après couche. Ouais. C'est comment garder la complexité tout en étant le plus clair possible, pour qu'on comprenne, pour qu'on suive cette espèce de matrix et cette espèce de connexion de tous ces points d'histoire qu'on a radicalement séparés. Vous dites, je fais des films en spirale. Voilà, en spirale et en retricotant des choses qui, normalement, ne sont pas vues en même temps. Donc, l'entrée de la fiction, à un moment donné, c'est quand je me rends compte que il y a certaines émotions, certaines colères, certains ressentis que je ne peux absolument pas faire passer par les instruments classiques. Et comme j'ai toujours fait et du documentaire et de la fiction, c'était clair que j'ai été explorer cette approche. Mmh. Et j'avais les moyens financiers de le faire. Mmh. Donc on a testé, on a, par exemple, le montage s'est fait avant d'être filmé en tant que fiction, nous avons utilisé des storyboards. Mmh. Donc il y a un storyboard Thierry Ségur qui a travaillé avec nous pendant un long moment. On a storyboardé toutes ces histoires qui étaient impossibles à raconter, comme tout ce qu'on a recueilli des journaux des explorateurs, des officiers français qui allaient conquérir les territoires africains. C'est une façon de les donner à voir, alors que d'habitude ils sont dans des livres. Non seulement, oui, donner à voir, non seulement ils ne sont pas publiés. Ouais. Il faut aller les chercher dans les archives. Ils sont très peu ont été publiés. Ouais. Donc, et quand on lit ça, ce sont des crimes de guerre. Ouais. Ce sont des récits de crimes de guerre. Ouais. Mais en toute bonne conscience. Donc il fallait, je ne pouvais pas laisser ça dans l'ombre. Il fallait que je l'expose. Donc comment l'exposer puisqu'il n'y a pas de document là-dessus? Et il fallait que ce soit non seulement intellectuellement compris, mais il fallait que charnellement, émotionnellement, il fallait que ça passe, puisque c'est ainsi que je le prends, moi, cette violence. Je la prends en pleine figure. Vous dites souvent que vous voulez faire des films pour provoquer des émotions, pour parler au plus grand nombre, vous l'avez dit. Vous dites même, quand vous parlez de vos films, vous citez même Malcolm X qui a dit cette célèbre phrase « Utilisez tous les moyens nécessaires ». Absolument. Vous dites « Moi aussi, je veux utiliser tous les moyens nécessaires », mais avec ce foisonnement, certains vont peut-être considérer que vous y allez avec de gros sabots narratifs, d'une certaine façon, où ils vont vous dire « Attention, peut-être que parfois la nuance est nécessaire quand on veut démontrer des choses ». Vous répondez quoi à ça? À la limite, moi, je n'ai pas à y répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de facilité chez certaines personnes. Elles veulent être entertained, ils veulent être amusés, ou ils veulent qu'on leur explique l'histoire adossée à leur divan et qu'on leur serre la soupe. Non, moi je ne travaille pas comme ça. Moi je recherche la participation du spectateur. Il y a un échange et je mets tout sur la table, y compris ma propre vie. Et donc je demande un engagement similaire à celui qui regarde. Ce n'est pas un film de paresseux. Si vous êtes paresseux et que vous êtes entretenu dans cette espèce de consommation permanente, parce qu'on consomme l'actualité aujourd'hui, on consomme la culture aussi, on consomme les documentaires. Ouais. C'est pas le cinéma que je fais. C'est une forme de cinéma actif qui active les gens. Absolument. Et d'ailleurs, plus vous êtes actif, puisque je vois d'autres réactions de spectateurs, je participe souvent à des débats, et je vois qu'ils amènent leur propre vie. À travers la mienne, à travers celle d'autres personnages, et ils se demandent aussi qu'est-ce que moi j'aurais fait, ou où étaient mes parents, ou qu'est-ce qu'a fait mon père, qu'est-ce qu'a fait mon grand-père. Donc toutes ces questions-là font qu'ils s'approprient cette histoire. Oui, c'est un cinéma de la sensation. J'ai lu que vous disiez il faut faire ressentir aux spectateurs les sensations que moi j'ai eues en lisant ces rapports de missions militaires, sans filtre. Voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on fait en fiction, c'est ce qu'on fait. Ouais. On ne fait pas une fiction pour que ce soit totalement doux, doucereux. On parle de violence. Il n'y a pas plus grande violence qu'un génocide. Donc ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de massacre. Donc il faut aller au fond des choses. On n'est pas en jardin d'enfants, c'est pas un jeu. Et c'est pour ça que je me mets moi aussi sur la table. Jusqu'à la narration des films, parce que vous dites par exemple Hollywood, vous êtes assez critique sur la façon dont les films sont produits à Hollywood, vous dites c'est toujours la même structure narrative, c'est toujours finalement quelque chose qui reste dans des cadres assez normés. Ben, on sait d'ailleurs, je recommande le livre de Baldwin sur sa critique des films hollywoodiens, de Devil Fine Work, qui est une leçon magistrale. Et on voit comment, justement, la conquête du monde par le cinéma américain, c'est pas simplement une conquête d'image, c'est une conquête idéologique, c'est une conquête commerciale. Mmh. Tout passe par ce cinéma-là. Et il y a une manière de voir l'autre aussi. Quand vous êtes capable de voir un western où, du début à la fin du film, il y a plusieurs centaines d'Indiens qui sont massacrés. Mais on est à l'aise avec ça, puisqu'on est du bon côté. Donc, il faut déconstruire tout ça. Moi, quand je vois des Indiens mourir dans un western, je pense à moi, au mien, que ce soit au Congo, en Haïti ou ailleurs. Et c'est ça la vision du monde dominante. C'est pour ça qu'on l'appelle une vision dominante, parce qu'elle n'a choisi de voir que d'un côté, celui des conquérants. Et non seulement ça, le film justifie leur conquête, le film justifie le meurtre et le génocide. Mmh. Et ça, c'est encore plus grave. Donc c'est pas un jeu. D'ailleurs, et on peut le ramener aujourd'hui à toutes les, comment dire, les situations, parce que en parallèle de ça, c'est le développement du capitalisme qui va aussi créer... C'est aussi un film sur le capitalisme. Absolument, sur... dès les premières images. Et aujourd'hui, je vois tous les médias sont en train de parler de ce scandale dans les EHPAD. Mais c'est exactement ça aussi. Mmh. C'est quoi? C'est le profit d'un côté et la hiérarchisation des races et des individus à l'intérieur même des nations. C'est-à-dire, on a décidé que ceux qui étaient vieux, qui étaient faibles, n'avaient plus droit à la même défense, et d'ailleurs qu'on pouvait les laisser mourir. Et on revient toujours à ces socles-là. Alors, je l'ai dit, c'est une démonstration, c'est finalement une traque aussi, ce film, la traque finalement de la suprématie blanche, de ses racines, mais aussi de la façon dont elle a empli, vous le disiez, nos imaginaires, jusque dans les films, mais pas seulement. La suprématie blanche, comment vous la définiriez? C'est quoi? C'est une idéologie, une culture? C'est la trame même du monde occidental? C'est un état d'esprit qui s'applique, qui s'installe dans les esprits de quiconque vit dans un pays occidental. C'est un peu une sorte de repos du guerrier. On a gagné, donc on a tout déterminé. Quand Michel Rolfe Trouillot dit, qui a écrit l'un des trois livres sur lesquels je m'appuie, il dit en gros la capacité de nommer les choses est un énorme pouvoir. Parce que quand on peut nommer, on dit ce que c'est en avance même de toute analyse. Donc une fois que ça imprègne toute la société, c'est très difficile à faire bouger les choses. Donc on a subi 700, 800, même 900 ans d'eurocentrisme à l'échelle mondiale. Ça laisse des traces. Comment, pour revenir à Haïti, on apprend à l'école ici qu'il y a eu deux grandes révolutions au 19e. La révolution américaine et la révolution française. Et comme par hasard, on met de côté la révolution haïtienne. En 1804. Et c'était les mêmes personnages qui étaient impliqués dans ces révolutions. Et pourquoi on la met de côté? Parce qu'elle pose un questionnement pour tout ce qui va arriver ensuite, y compris la continuation de l'esclavage sur tous les autres territoires, sauf Haïti, et ensuite la conquête de l'Afrique, la colonisation. Or, ce sont ces mêmes Africains qui avaient battu les armées napoléoniennes. 60% des soldats de Toussaint-L'Ouverture sont nés en Afrique. Donc, les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas les Africains. Les Anglais ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas les Africains. De même les Espagnols, puisqu'ils ont combattu les yeux dans les yeux, l'un contre l'autre. Et ils ont perdu, tous. Un effacement, donc, de ces révolutions. Ils effacent ça, parce que comme ça, ils peuvent aller maintenant en Afrique à la recherche du lien manquant, du chaînon manquant. On assiste à un recul même de la science, de l'histoire, etc. J'en reviens à la question de la suprématie blanche. Ce terme, il est souvent contesté. Il y a des études universitaires sur la question de la suprématie blanche, mais il est souvent contesté dans le débat public, c'est ça que je veux dire, aux États-Unis, ici bien sûr, soit parce qu'il serait trop général, trop systématique, et vous citiez Baldwin, la réponse qui est, quand on voit des vidéos parfois de Baldwin dans des échanges avec des gens, bah, la réponse qui lui est toujours faite, c'est « oui mais attendez, tous les blancs ne sont pas racistes ». Qu'est-ce que exprime la suprématie blanche ? Et que répondre finalement à cette réponse qui est toujours un peu la même et qui finalement traverse l'histoire. Quand on veut exposer la suprématie blanche, il y a toujours cette réponse, attendez, tous les blancs ne sont pas racistes. Oui, mais le problème, c'est pas que tous les blancs ne sont pas racistes. Tous les noirs ne sont pas démocrates, toutes les femmes ne sont pas féministes. Donc je vois pas à quoi ça sert ces distinctions. Il s'agit d'une analyse générale, globale. Si on analyse les structures de tout État européen, on voit, par exemple, les États-Unis et en France aussi, on voit que il y a même une sorte de, je dirais, racisme structurel, pas parce que la loi elle-même crée le racisme, mais elle entretient un racisme qui existe dans la population. Et ça vient de... Pourquoi je fais ce film et je remonte 700 ans en arrière ? C'est parce qu'il faut trouver la source, le début de cette hiérarchisation des races. D'ailleurs, même le terme « race » est connoté. Parce qu'on ne devrait pas parler de race. On ne devrait pas parler d'ethnie, etc. Parce que nous sommes tous la même race. Et alors, biologiquement, il n'y a même aucune discussion là-dessus. Oui. Donc, quand on peut dire, par exemple, les lois de la République sont égalitaires. Et je peux vous trouver... une succession d'écoles de la République où le niveau est absolument inacceptable. Pour revenir aux hôpitaux, mais on n'a pas les mêmes soins dépendant dans quel lieu on se fait soigner, même dépendant de quelle classe on provient. Donc c'est ça. Donc l'égalité, fraternité... liberté. Liberté. Vous voyez, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. Mais pour y aller, ça demande un travail de tous les jours, sur toutes les institutions, de toutes les institutions. Parce que c'est comme la démocratie. Pourquoi aujourd'hui, on vote de moins en moins? Pourquoi des pans entiers de la société rejettent le vote? Parce qu'ils ne se sentent plus représentés. Donc ça pose un problème. Parce que la démocratie, c'est quelque chose pour laquelle on se bat tout le temps. Des gens sont morts pour cette démocratie. On va revenir au monde contemporain très vite, mais d'abord, je voudrais repasser un peu ça sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les racines de l'esclavage, du colonialisme, de sa brutalité. C'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile à entendre. Elles sont ici, en Europe. Bien sûr. Et vous le dites bien dans cet extrait du documentaire qu'on va regarder. Dès le début, les pères fondateurs avaient bien l'intention d'étendre le pays d'un océan à l'autre. L'offre de terre gratuite fut l'aimant qui attira les colons européens. Ce genre particulier de colonialisme s'appelle colonialisme de peuplement. Et en tant que système, il exige de la violence. Il exige l'élimination des habitants d'origine et leur remplacement par des colons européens. Pourquoi dites-vous que l'origine de la hiérarchisation des races, de l'esclavage, de la prédation, de l'asservissement, c'est ici en Europe? Est-ce que c'est dur à comprendre, ça? C'est pas dur à comprendre, il faut connaître l'histoire, c'est tout. Certains historiens vont ruer dans les brancards, mais je le résume pour que les gens comprennent. Toutes les périodes des croisades, qu'est-ce qui se passe? L'Europe part en croisade pour la reconquête en partie de Jérusalem, mais c'est surtout reconquérir les routes marchandes dominées par les Arabes. C'est ça, il y a l'argument économique et capitaliste qui joue déjà. On n'est pas encore dans le capitalisme, mais on commence à accumuler. Et les richesses qu'on rapporte, parce qu'il y a des massacres, il y a des pillages, et l'Espagne, une partie de la France, une partie de l'Angleterre, une partie du Portugal, se retrouvent avec d'immenses richesses. Donc on a le capital maintenant pour financer les voyages. Et ce n'est pas des voyages, comme on dit, on va à la découverte de l'autre. Non, on va découvrir d'autres routes pour augmenter les profits. Puisque aller vers, totalement vers l'Est, ça coûte de l'argent. Donc si on peut dépenser moins d'argent en découvrant une autre route de notre côté, ben, tant mieux. Donc on investit. Colomb avait des investisseurs. Et Colomb a signé des contrats extrêmement détaillés qui a été négocié très durement entre les souverains espagnols et lui, en disant, voilà, vous aurez tant de % sur les terres découvertes. D'ailleurs, la notion de découverte commence à s'installer. C'est-à-dire l'idée qu'on arrive quelque part, on met son drapeau et ça vous appartient. Alors qu'il y a 100 millions d'Amérindiens qui vivent au nord et au sud. 100 millions. Donc vous ne pouvez pas me dire, ah oui, mais on n'a pas tout vu, on était sur la côte, on n'a pas été jusqu'au fond. Mais non, 100 millions de personnes. Et les choses commencent à basculer. Pendant ce temps, on amène d'autres denrées, le sucre commence à devenir l'or de toute l'Europe, mais pour le sucre, on voit que les indigènes ne tiennent pas le coup. Ben, il faut amener d'autres bras, d'autres corps, les corps noirs d'Afrique, qu'on amène en masse, deuxième génocide, et tous ces corps vont produire, accumuler le capital. C'est de l'exploitation pure et simple. C'est un crime, génocide et exploitation qui vont donner après les champs de coton aux États-Unis. Et il faut, puisque là aussi les indigènes ne tiennent pas le coup, ils sont décimés. Donc le coton qui va faire la richesse de l'Amérique et aussi de l'Europe, puisque ce sont les usines de Manchester qui permettent d'exploiter ce coton. Et comme on sait, c'est le début de la révolution, ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Mais sur le dos de qui cette révolution industrielle s'est faite? Sans coton, même quand on a les machines à vapeur. C'est la liaison des deux qui crée le capital et qui crée les profits. Donc voilà, c'est une lecture très simple pour que tout le monde comprenne et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que j'ai rien à voir avec tout ça. On vit sur les épaules de tous ceux qui se sont battus, qui sont morts, qui ont commis des atrocités. On est le résultat de cette histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas sectionner les histoires selon qu'on veut être d'un côté ou de l'autre. Il n'y a qu'une histoire, avec des niveaux différents, des acteurs différents. Et c'est ce diagnostic qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à s'asseoir autour d'une table pour mettre tout sur cette table. Et quand je dis, c'est vrai, j'ai des amis haïtiens, quand ils parlent, ils disent, oui, ben, Nantes, Bordeaux, Le Havre, ben, c'est à nous aussi. Tous ces hôtels particuliers, ben, sur le dos de qui ils se sont construits? Sur l'esclavage. Sur l'esclavage et sur le travail des Antillais qui produisent le sucre. Histoire parfois très difficile hein, quand même à évoqué en France quand il y a la question des statues de Colbert, la question des noms des rues, par exemple de personnes qui ont œuvré à l'entreprise coloniale, par exemple Bugeaud, etc. Ça crée des polémiques nationales. Ça crée oui, c'est un sport national. C'est un sport national. Il faut la polémique du jour pour que l'audimat continue. C'est quoi? C'est un déni? C'est le fameux déni dont vous parlez souvent? De la oui, il y a des résistances dans la société puisque ces faits-là oblige à une réflexion, oblige à regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Et c'est dur, parce que brusquement, les positions de pouvoir, c'est ça aussi, white supremacy, ou on peut dire le white privilege. C'est simplement, on est confortable dans le monde tel qu'il est. Donc pourquoi aller embêter les gens avec ce qu'il y avait avant? Mais ceux qui en souffrent, ceux qui sont les victimes, ceux qui doivent, comme on dit, les travailleurs de la première couche, mais eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent se battre. Oui. Ils peuvent pas tolérer le statu quo. Et on peut l'étendre à l'ensemble de la société. Quand les Gilets jaunes manifestent tous les samedis, et à Paris, au centre du pouvoir, c'est facile de dire, mais on s'en fout. Non, c'est... Ils sentent qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions. Donc les gens se révoltent. Donc c'est partout. C'est pareil pour les femmes, pareil pour les LGBT. Voilà, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Mais ceux qui sont déjà confortablement installés dans leur pouvoir, ils résistent aussi. On va regarder un extrait de James Baldwin, c'est dans votre précédent documentaire I'm Not Your Negro, qui a notamment été diffusé sur Arte en 2016. Et cet extrait, il est dedans, c'est James Baldwin dans un show américain, à la télévision états-unienne, en 1969. James Baldwin qui a forcé finalement l'Amérique à regarder en face son racisme structurel. Regardez cet échange. Any white man in the world says, give me liberty or give me death. The entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, word for word, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. What the American public has always tried to do is to accommodate me into a system which is always meant to my death. They want me to become an accomplice to my own murder. That is what you really mean by integration. That's impressive. I didn't understand it. That last sentence. Stokely Carmichael says, and he's quite right, that integration is a euphemism for white supremacy. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait, hein, à la fois la radicalité des propos de Baldwin et l'animateur qui ne comprend pas. Vous avez découvert très jeune James Baldwin, vous dites c'est ma chance, Baldwin c'était mon mentor. Votre documentaire, il a permis d'ailleurs à plein de gens de redécouvrir Baldwin, notamment dans la jeune génération, mais pas seulement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit en 2020 dans l'hebdomadaire Le 1, vous avez dit, quand ça s'est sorti en France, ce documentaire est sorti en France, j'ai dû dire à des journalistes français, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas seulement, pas uniquement un film sur James Baldwin dans la société américaine et sur les États-Unis. Vous dites, je voyais bien dans leurs yeux qu'il fallait que je les rassure, qu'il fallait que je confirme que ça, c'est l'Amérique. Par la France, qu'est-ce que vous... Pas la France, qu'est-ce que vous ah oui, c'est un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le confort du statu quo. C'est difficile de mettre en question ce qu'on a toujours pensé, ou même quelque chose qu'on n'a jamais réalisé. Parce que je le vois dans les yeux de certaines personnes, qu'ils se disent, bah, zut, j'ai jamais vu ça comme ça. Oui. Et faire le pas d'après et s'éduquer, et se confronter sa propre mémoire, sa propre pensée à ces contradictions, c'est difficile. Donc quelqu'un comme Baldwin met le pied dans les plats pour dire, mais non, la première question de cette interview, c'est, mais monsieur Baldwin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a eu des progrès, il y a des maires noirs aux États-Unis, il y a des professeurs noirs, il y a des gens au cinéma noirs, etc. Baldwin a souri. Parce que c'est cet appel à l'innocence. S'il vous plaît, dites-moi qu'on a quand même... On a fait des progrès. On n'est pas obligé de continuer à faire des sacrifices pour ça, à changer les choses. Ben oui, si. Si. Tant qu'il y a des gens qui disent qu'on n'arrive pas à vivre, on étouffe, il y a beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, J'étouffe, c'est donc ce texte que vous avez publié en 2020 dans l'hebdomadaire Le 1, au moment des manifestations mondiales contre les violences policières, George Floyd aux États-Unis, mais aussi ici en France, partout en Europe d'ailleurs et ailleurs. Et vous avez écrit à un moment ce texte, donc J'étouffe, bien sûr allusion aux phrases prononcées par George Floyd, prononcé aussi par Cédric Chouviat quand il est mort, hein, un peu avant de violences policière, et vous écrivez dans ce texte « La France est dans le déni d'elle-même et ses enfants n'ont plus le temps ». Il y a une urgence particulière concernant la France que vous exprimez dans ce texte. Ben, bien sûr. Pourquoi, d'après vous, régulièrement, les banlieues flambent? C'est pas par amusement. Parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. Pourquoi il y a les gilets jaunes? Les gens qui venaient à Paris chaque week-end, chaque samedi, c'était pas pour s'amuser à la capitale. Ils brûlaient des voitures, ils cassaient les vitrines. Je ne pense pas que c'est une bonne manière de s'exprimer, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres armes. C'est ça la réalité. Et je me rappelle un moment où Ruquier a invité quelques gilets jaunes à la télé, en prime time. Il a dit, voilà, vous avez la parole. Et on voyait des gens modestes, d'ailleurs presque émus, enfin pas presque, émus de passer à la télévision. C'était pas peu de choses pour eux. Et cette femme qui raconte que, oui, avec ma fille, parfois on n'a qu'un repas et on réfléchit à quel repas ça va être. En France, il y a même pas 2 ans. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est pas encore ce qui m'a choqué. Et c'était poignant, ce moment-là. Il y avait un silence dans le studio. Et la séquence se termine. Ruquier dit « Merci, madame ». Bon, allez, on passe en une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a effacé ces gens. Parce qu'il faut que la machine continue à s'amuser. Or, c'est un service public. Donc le service public est là pour dire « Ah non, 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 il faut que the show must go on ». C'est, comment dire, c'est écraser humainement des gens. Et c'est de ça que je parle aussi dans ce film. C'est dans la tête, cette hiérarchisation, et on pourrait parler de des races et des classes, finalement. Et des classes. Ouais. Parce que ce n'est pas une question de race, finalement. La race, c'est un épiphénomène. C'est la classe. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont d'une classe dite supérieure et des gens qui sont d'une classe inférieure. Et les inférieurs, que ce soit les femmes, les étrangers, les vieillards, les handicapés, etc., ils sont tous dans le même paquet. Oui. Ce sont des citoyens de seconde, troisième, quatrième, cinquième zone. Donc déni social aussi, je vous ai entendu il y a quelques jours lors d'une avant-première pour ce film, à Pompidou, vous avez dit quand on revient en France après 6 mois, c'est toujours les mêmes débats qu'on entend. Ouais. En ce moment, il y a une campagne présidentielle. C'est quoi? C'est l'expression du déni historique dont vous parlez aussi dans ce film, qui se manifeste là dans cette campagne présidentielle. C'est l'expression d'un déni, parce que c'est dur pour une nation qui était une nation impériale, qui a conquis une bonne partie du monde. C'est ça qui se joue dans l'émergence d'un discours, enfin l'importance d'un discours très de droite. Ça se joue aussi, il y a ce côté de nation impériale qui ne peut pas accepter qu'elle n'est plus impériale et qu'elle doit réduire sa voilure. D'ailleurs, c'est ce qu'elle le fait concrètement. Mmh. La France rentre, j'ai vu comment les instituts français autour du monde ont dû fermer ou ont dû trouver eux-mêmes leur budget, parce que la France ne peut plus les financer. Donc cette puissance, elle se rabougrit. La société continue dans l'illusion de l'Empire. Absolument. Ouais. Il faut entretenir pour les masses cette illusion d'Empire. Et qui rencontre autre chose. C'est la catastrophique destruction de la presse. J'ai vu comment, les 40 dernières années, d'ailleurs vous êtes l'exemple parfait pour ça. Pourquoi quelqu'un comme Edoui Plenel quitte le Monde à un moment donné? Parce que tous ces organes sont rachetés. Et ça change tout. À partir du moment où vous devez faire du profit, ou en tout cas, vous devez faire de l'audimat, il n'y a pas plusieurs moyens de le faire. Ce n'est pas en ayant des débats sages, intelligents. Non, c'est en créant du buzz. Mais elle vous inquiète, cette campagne présidentielle, avec 2 candidats d'extrême droite qui sont donnés très haut, une droite qui a toujours été qualifiée de républicaine, qui est très à droite? Quand j'étais plus jeune, je me serais inquiété, je serais probablement dans la rue. Aujourd'hui, je suis obligé de dire, mais il va falloir que les gens se confrontent à leur réalité à un moment donné. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est chacun qui fait l'histoire. On ne peut pas rester chez soi et croire que l'histoire va avoir un débouché positif. On ne change pas les choses. On ne peut pas me citer une seule mesure progressistes, que ce soit les congés payés, que ce soit les 8 heures de travail, que ce soit la sécurité sociale, etc., qui n'a pas le droit de vote, qui n'a pas été l'objet de combats mortels. Et on voudrait aujourd'hui, dans une société complexe, dans une économie en danger, dans une société qui est tirée de toutes parts, que les choses vont miraculeusement être décidé par un petit groupe de personnes, d'hommes et de femmes, qui se portent candidats. C'est quoi? C'est des contestations nécessaires, c'est ça? C'est des discussions, il faut se trouver des alliés, il faut descendre dans la rue, il faut se réunir, se parler, et pas à l'échelle des états-majors, parce qu'on voit bien qu'ils sont tous bloqués dans leur position. Moi, je reconnais, il y a beaucoup de gens que je reconnais, auxquels j'aurais pu me lier il y a peut-être 20 ans de ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible, parce qu'ils n'écoutent plus. Je vais terminer par une phrase que vous avez dite, c'était dans un de vos précédents films, Le Profit et rien d'autre, en 2000. Beaucoup cette phrase, pourquoi je fais des films? Parce que c'est plus convenable que de brûler des voitures. Ben oui, c'est ça. C'est toujours, parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Il y a des moments, la colère monte, et le réflexe, c'est, comme d'ailleurs le font les jeunes, à un moment donné, il faut sortir cette vapeur. Et les choses ne s'améliorent pas. Vous vous rendez compte, ceux qui ont défilé à l'époque de « Touche pas à mon pote », vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore, ils pourraient sortir avec le... Alors j'espère un slogan plus intelligent, moins paternaliste, ce qui faisait bouger ces jeunes, c'est encore là. C'est encore là. C'est encore là. Donc voilà où on en est. Et alors juste pour finir là-dessus, moi ce qui me permet de dire ces choses-là, c'est parce que je vois comment ça se passe ailleurs. Et je peux voir ce que vous appeliez le déni, comment il se manifeste. Et je vois comment il est résolu ailleurs. Comment les mêmes discussions sont menées ailleurs. Même dans un pays comme l'Allemagne, qui est confronté aussi à son passé, certaines discussions où l'espace de discussion est très différent. Et ça permet parfois d'avancer. Merci infiniment, Raoul Peck, d'être passé par À l'air libre. On est très honoré que vous soyez venu sur le plateau. Votre série documentaire Exterminer toutes les brutes est diffusée en ce moment sur Arte TV jusqu'au 31 mai avec une diffusion à 20h50 mardi 1er février. Sorti en DVD, il est là. Le jour même, vous restez avec moi brièvement pour le 24 heures. Vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, pas grave, petite séance de rattrapage, mais quand même, abonnez-vous, on vous rappelle, c'est important. À lire d'abord ce reportage à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Philippine Orfis, de notre partenaire GuyaWeb, a rencontré cette jeunesse majoritaire, vous en parliez, Raoul Peck, dans la deuxième ville guyanaise qui, frappée par un chômage structurel, se sent loin des préoccupations nationale, pile dans notre discussion. Lucie Delaporte revient quant à elle sur les relations entre Marine Le Pen et les médias. Après des années de tension, la candidate d'extrême droite essaye de se rabibocher. Au vu de la couverture de certains médias, ça a l'air de marcher. Enfin, Camille Poloni consacre un article à la menace qui pèse sur nos confrères de Nantes révoltés. Le collectif qui anime un média alternatif local est menacé de dissolution, oui, de dissolution, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà, à l'air libre, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Vendredi, dans le studio, Khadija Zerouali examine la question de l'exploitation du travail des jeunes. Samedi, le documentaire s'appelle « Demain, l'usine ». Il revient sur la création de la coopérative Scopti, qui a été montée par d'anciens salariés d'une usine d'Unilever après 1336 jours de grève. Et puis dimanche, le podcast « Esprit critique » est consacré aux arts visuels avec plein de sujets passionnants. Lundi, vous retrouvez Christophe Guignot. Bon week-end, prenez soin de vous. Au revoir.